simplicité volontaire, là, les gens qui adhèrent à ça, ça se peut-tu que c'est rarement des multimillionnaires? Semble que t'as moins de mérite si t'es déjà cassé en partant, là. Comme le gars qui perd son permis pour alcool au volant, puis après ça, il dit « Je fais du vélo pour me remettre en forme! » Ou le gars qui rentre en prison puis qui dit « Ah, oh, j'ai décidé de prendre du temps pour moi! » J'aimerais, avant de partir, que les gens sachent que je suis pas juste la disco queen, malgré que j'adore être la disco queen. Je veux pas qu'on me l'enlève. Mais je suis aussi autre chose. Je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui sait que j'écris. Mes chansons, je les ai gardées dans un tiroir depuis un bon bout de temps. J'ai très envie d'exprimer les choses que j'ai dans mon cœur. J'ai des choses à dire. J'ai appelé mon show MILF parce que je trouvais que niveau marketing, c'était du génie. Hey, t'imagines le nombre de filles qui vont sur l'historique de leur chum puis vont être comme « David, c'est quoi ça, MILF? » Je vais être comme « C'est ça, j'ai acheté des billets pour Rosalie Maillancourt, je sais que tu l'aimes, babe! » I got your back, les boys! And your money! So much. Parce que ma life est trop sale, je dois la transcrire au propre. Mais j'ai fumé trop de clopes. Hey. Je me suis collé deux shots, j'ai la voix au game, mon rap devient le nouveau rock. C'est une autre aux îles, regarde ça simple. Le tarte aux pommes, là, c'est de la farine, du sucre, des pommes. Mais la belle-sœur à Ginette, elle débarque aux îles, là, c'était trois pages d'ingrédients. Faut la mettre les pommes dans le cognac. Mettre du clou de girofle, la muscade, ça finissait plus. Puis à la fin de la troisième page d'ingrédients, ça finissait avec du poivre facultatif. On a mis de la lumière sur nos différends. Au fond, on savait bien que ça passerait avec le temps. On brûle le cœur moins gros.